Nous avons constaté de l'inédit. Depuis que je suis né ici dans la ville de Consamba, je n'ai jamais vu pareille inondation. Ça a été véritablement une grande première. Donc nous avons vraiment été sidérés. La pluie t'a bloqué combien de heures? Hein? La pluie t'a bloqué là-bas en haut. Depuis que ça a commencé. T'a bloqué? La pluie vous a bloqué. Hein? La pluie vous a bloqué. Oui. Tu partais où? Elle n'est pas écrasée. Ah, ok. La pluie vous a bloqué. Hein? Tu allais où? Moi. Oui. Là-bas, là-bas. Là-bas où? C'est un mec qui va là. Il faut qu'on monte ça à la télé, parce que les gens ils souffrent. N'est-ce pas? Il faut qu'on montre ça à la télé. Regarde une solution.
Les voitures qui font demi-tour. Impossible de traverser. Certaines voitures font demi-tour. Ils n'ont pas le choix. En pointé. Bon, le niveau est beau bien. Quand on l'appelait avec. Bon, le niveau est beau bien. Non, il ne veut pas le niveau est beau bien. Quel numéro on va n'avait pas de cela. Il était là-bas. Il m'a pas de bon problème, mon frère. Vous voyez le gars, ça s'est passé comment? Come on, come on.
pas ça. C'est pas ça. Nous avons constaté de l'inédit. Depuis que je suis né ici dans la ville de Consamba, je n'ai jamais vu pareille inondation. Ça a été véritablement une grande première. Donc nous avons vraiment été sidérés par l'ampleur des dégâts. Fort heureusement, les dégâts ne sont limités simplement sur le plan matériel. Heureusement, il n'y a pas eu de vie, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de graves dangers en tant que tel. Mais vraiment, les dégâts sont très, 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 très importants. Et c'est déplorable, mais bon, ce sont des catastrophes dites naturelles, nous savons cela. Voilà un peu ce que nous avons constaté. Et vous avez interpellé les populations ? Bien sûr, nous avons interpellé les populations en ce sens que celles-ci doivent d'abord prendre leur mal en patience. Nous les avons donné du réconfort, puisque nous sommes tous concernés, puisque nous sommes inondés, nous avons été avec eux dans la pluie, nous avons pris des premières mesures, sécuriser, isoler tout ce qu'il peut y avoir comme courant électrique qui traînait par-ci, par-là, s'assurer que les veilleurs qui sont dans les différentes maisons sont mis à l'abri, et même les petits-enfants et autres. Voilà un peu les premières mesures que nous avons prises. Maintenant, nous avons sensibilisé les populations quant au dispositif qu'il va falloir mettre, le dispositif de veille qu'il faut mettre en place, et c'est le cas jusqu'à présent, nous y sommes, comme vous le constatez, nous sommes encore dehors, pour voir si éventuellement cette pluie-là pourrait revenir, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, il y a aujourd'hui des gens, des populations qui vont dormir dans le voisinage. Et nous avons également pris des petites mesures de sécurité pour mettre en place des gens qui doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas peut-être des petits bandits qui pourront sillonner dans les petites maisons et essayer de faire passer par là, poser un certain acte irréfléchi aux conséquences multiples, bien sûr. À côté de cela, maintenant, nous avons surtout interpellé ceux-là qui sont des vrais irresponsables, ceux qui ont construit dans des zones marécageuses et surtout ceux qui ont construit sur les lits d'eau. Ça, c'est pour cela, ça demande un traitement de cheval et nous allons assumer notre part de responsabilité quand il va falloir poser l'acte. Mais encore une fois, nous ne le disons jamais assez, l'incivisme ne sera jamais toléré dans la commune d'arrondissement de Consamba 1er. Et encore une fois, cette catastrophe est véritablement une catastrophe naturelle. C'est la deuxième des grandes catastrophes que nous avons observées dans notre commune après celle du mont Lonako qui s'est presque éventré à un certain niveau et dont les conséquences sont là, devant nos yeux. Donc ça nous interpelle et nous sommes donc, avec nos autorités administratives, en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour évaluer effectivement les dégâts et ce qui pourrait être fait à notre niveau le sera, ce qui pourra être du ressort ou de la compétence des plus hautes autorités de l'État sera transmis donc à leur niveau pour des mesures idoines afin de rassurer davantage les populations qui pour le moment sont en train d'en partir et de subir vraiment les affres qui de leur propre perturbitude qui des victimes innocentes. Oui, nous sommes revenus sur le terrain. Il est minuit 30, une heure moins, pour nous assurer que tout est bien, qui finit bien. Nous ne savons pas s'il y aura une évolution, mais pour l'instant, comme vous le constatez, l'eau a baissé et nous avons sillonné toutes les maisons et nous avons assuré que chacun dort au moins sur son lit, bien que celui soit mouillé, mais chacun est là. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, il y a eu certes des dégâts matériels, et bon, on ne peut rien. Fort heureusement, encore une fois, nous remercions la discipline et la compréhension des populations de l'arrondissement de Consamba 1er. Nous ne pouvons dormir sans nous assurer que les autres aussi dorment.
Pour l'instant, tout le monde dort et, comme je l'ai dit tantôt, nous allons analyser cette situation avec toutes les autorités administratives pour, le cas échéant, présenter la situation à la haute hiérarchie. Déjà, les populations sont derrière nous. Nous sommes fiers du fait qu'elles toutes ont contribué, n'est-ce pas, à la gestion de cette catastrophe que, je le répète encore, nous n'avons jamais vécue auparavant. Dieu merci encore une fois. Merci aux médias qui nous ont accompagnés pendant toute cette période difficile. Merci à vous tous et Inch'Allah, on se voit donc demain matin. Bonne nuit. Merci.